Et plop les gens, de retour dans Game Over Quest, et apparemment le fait que j'avais prévenu Olivier et que je m'étais préparé à aller à Yagendas n'a pas été pris en compte, j'aurais dû mourir là-bas je pense. C'est vrai qu'en général je sauvegarde sur une mort, enfin je m'arrête sur une mort, et là ça n'a pas été le cas. Alors hop, non c'est pas là Olivier. Il était où Olivier? Il était au sud en fait. Au sud-est de la ville. Pas par là. On va y arriver. Je n'ai tourné le dernier épisode que hier soir. Hein. C'est pas comme si je savais si tout était frais en tête encore. Ethan Hall a payé un groupe de malfaiteurs pour empêcher votre fournisseur de vous livrer. Vous êtes sûr? Je ne pourrai jamais prévenir mon fournisseur à temps. Je peux m'en occuper. Vraiment? Merci, étranger. Il faudrait pas que j'oublie de rendre visite à son fournisseur si je passe à Yagendas. Il faudrait également que je trouve un moyen de régler définitivement le problème, même si je meurs. On verra ça le moment venu. Ouais, c'était ça. Donc, on va retrouver... Hop. On va prendre le chameau pour venir ici. Et on va aller à Yagendas, voilà. Boum, 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 boum. Qui êtes-vous? Que me voulez-vous? On est là pour ton chargement. File-nous ton chariot ou tu finiras en nourriture pour pingouins. Ce sont les bandits engagés par Ethan Hall. Même si j'arrive à me débarrasser d'eux, ils reviendront à ma prochaine mort. Il me faudrait une solution magique, mais qui pourrait m'aider dans le coin. Si seulement je connaissais une sorcière. Ah. Mais j'en connais une de sorcière. Alors après, la ville en elle-même, où est-ce qu'il y a tout ce qu'il faut? Non. Alors, je ne sais pas si vous avez le temps de bien visiter notre région avec cette menace du loup-garou, mais dans la forêt à l'ouest se trouve un étrange manoir. Personne ne sait à qui il appartient, ni même si quelqu'un y vit. Non, 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 elle n'est pas... Oh là la sorcière. Ici je pense pas non plus. Ah si, il y a peut-être... Somnia, peut-être que Somnia peut m'aider. Effectivement. Ah zut. Somnia. Je ne pensais pas que mon igloo me manquerait tant autant. Ça fait du bien de rentrer à la maison. Tu veux rester ici? Non, dès que tu le voudras, je repars à l'aventure avec vous. Heureux d'entendre ça. On sera toujours là pour t'accompagner. On croit en toi. Vous obtenez 2 éclats d'espoir. Ok. Je sais toujours pas trop... Quoi ça sert? Je suis heureuse de revoir ma petite fille chérie. Ouais, mais ce n'est donc pas Somnia qui va m'aider. C'est vrai que tant que j'étais à... J'aurais pu demander à Guy. Désolé de vous déranger, Dame Cadavra, mais j'aurais besoin de votre aide. Que puis-je pour toi?
Je dois arrêter un groupe de bandits, mais vous connaissez ma condition. Oui, si tu meurs, tout ce que tu auras accompli sera effacé. Et donc, il me faudrait un objet enchanté pour empêcher le retour en arrière. Je dois avoir un parchemin qui devrait faire l'affaire. Prends-le. Vous obtenez un parchemin de court-circuit. Merci. Donc on va retourner voir les bandits. Hein. En garde, bandit! Je ne vous laisserai plus importuner ce marchand. Va jouer ailleurs, petit. C'est un témoin, on va devoir se débarrasser de lui. Tu as raison. Qu'est-ce que tu fais? Mince! J'ai oublié de m'enrouler de jambon. Non, du jambon. De quoi? Pas de panique. Faut prier pour que ça marche. Je crois qu'on est face à un fou. Bzz, bzz, bzz. Je devrais retourner voir le marchand pour voir si les bandits ont bien été vaincus. Ça sent le cochon grillé. Merci pour l'aide, jeune homme. Je ne manquerai pas d'en faire part à mon client. Sans vous, il aurait été bon pour fermer cette taverne. Lorsque vous passerez à Brutopia, allez le voir. Il faut que j'aille rendre visite à Olivier. Effectivement, pendant ce temps, vu qu'on est à Yagendas, toi, oui, si tu as aidé le faux mage blanc et ses camarades à Brutopia, tu les retrouveras dans la petite maison au nord. Dans la petite maison au nord. On parle bien de maison, pas d'igloo. Est-ce que c'était celle-là, la petite maison, en fait? Effectivement. Hey, tu as réussi à retrouver ton aspect originel. Je dois avouer que tu me surprends. Quel est votre problème? De quoi? Pourquoi penses-tu que j'ai un problème? Vous ne vous vantez pas. J'aimerais pouvoir te contredire, mais j'ai effectivement un souci. Pendant que mes compagnons et moi nous reposions, d'horribles créatures ont dérobé mon grimoire. Pourquoi n'allez-vous pas le récupérer? Wakla semble assez forte pour réduire n'importe quel ennemi en miettes. Les monstres se sont réfugiés dans le trou à côté de moi. Nous sommes trop gros pour passer. Je pourrais remarquer que moi aussi. Ça peut s'arranger. Mimi Squeakiki! Bravo Orniak. Okniak. Tu n'as pas loupé ton sort cette fois. Au départ, je voulais le changer en serpent pour qu'il mange nos ennemis. Il est trop choupi! Wakla, on peut le garder? Non! Il nous aide à récupérer le bouquin de l'autre catastrophe ambulante et on lui rend sa forme humaine. Ouais, enfin, rendre la forme humaine, j'y crois moyen. Je suis en bas à droite, au milieu de centaines de rats. Je suppose qu'il faut que j'évite de marcher dans les clapets, sauf si je veux une nouvelle mort. Alors... Ah, il y en avait un là, plus proche, ça aurait été mieux. Oh punaise, ce labyrinthe affreux, je sais pas du tout si c'est aléatoire, s'il y a une sorte de chemin à suivre. En plus, c'est peut-être pas très visuel pour vous. Genre, si vous me perdez des yeux une demi-seconde... C'est compliqué, je suis allé trop vite vers le haut. Ça, c'est un peu dommage. Oui, où suis-je? Je me suis perdu, je suis sous le... Voilà. Punaise. Voilà, parfait. Je reste en bas, je ne monterai pas, voilà.
Hop, hop. Voilà. Et je sens qu'à gauche, ça va être un peu compliqué là-haut. Allez, on me revoit, je suis au milieu. J'ai plus que la dernière montée. Non, je vais passer par la droite. En plus, c'est parfait. Je peux aller jusqu'en haut. Vous obtenez un grimoire. Ouf, j'ai pas le retour à faire. Et merci pour le grimoire, Mimi Gigantis. Oh, je suis pas mort. Je pensais que je mourrais. Alors, hop. D'ailleurs, est-ce que les fleurs jaunes, je les ai pas faites? Il te reste un... Oui, oui. Il n'y a plus de mort pour toi dans cette zone. Très bien, il faut que je retourne à Brutopolis. Brutopia. Bourinopolis. Tu dois être mon sauveur. Mon fournisseur m'a parlé de toi. Pour te remercier, je vais te révéler un secret. L'entreprise Lumber & Jack n'a pas toujours été focalisée sur l'unique traitement du bois. Au départ, elle était aussi une productrice d'alcool. En quoi ça va me servir? Lorsque le vieux Jack a abandonné sa filière, les anciens de la branche taverne ont créé une phrase pour se reconnaître. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il en reste beaucoup, mais si tu croises un patron de taverne, réclame une tournée pour Lumber. On sait jamais, il pourrait reconnaître la formule. Il n'y a pas de tournée pour Lumber. D'ailleurs, j'ai pas essayé de voir avec Olivier lui-même. Ça n'a pas l'air de fonctionner. À quel endroit dois-je aller? Peut-être revenir dans la forêt fantastique du début. Oh zut! Je pensais pouvoir le contourner très rapidement. Ça juste parce que je veux vérifier avec lui si j'ai des choses à faire à Bourinopolis. Il n'y a plus de mort pour moi dans cette zone. Hop hop. Non, je vais demander au chameau de m'emmener au canyon. Chameau, dromadaire, je ne sais pas. Pas, je ne vois plus bien un chameau. Le canyon. Ouh. Ah mince. Ok, non, mais c'est juste ça qui fait faire. Au secours. Oui, d'accord. Mais moi, je voulais que tu m'emmènes directement voir. Au bout du canyon, quoi. Oh non, les scorpions. Mmh.
Ah, pour éviter ce genre de choses, je pensais que le TP serait intéressant. Là, j'essaie de le faire en courant pour pas perdre trop de temps. Mais c'est compliqué. On évite les scorpions. Est-ce que je... Mince, c'est pas là. C'est pas là. J'ai retrouvé Guy peut-être. Ou son chef de combat. C'était dans le désert, mais apparemment pas ici. Et vu que je ne vois pas d'autre passage, c'était peut-être sur la gauche, mais j'en doute très fort. Alors lui, ne pas aller lui dire bonjour. Voilà. Oui, non. Ah, je veux pas que la tempête, hein, mais... Là, on se calme. Où est-ce qu'il est, le truc d'entraînement? Là, je vais me faire buter, je pense, et vu que j'ai déjà eu la mort, on va éviter. Non. Bah, il était où ce... Cette zone d'entraînement au combat. Je ne sais plus, tant pis. Si c'est lui qu'il faut voir. Pour lui demander de tourner pour Lambert. Non. Donc il n'y avait plus rien à faire à Bourinopolis. Il n'y a plus de mort pour moi dans cette zone. Ayagendas, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui m'attend à Ayagendas? Il n'y a plus rien dans cette zone non plus. Hein. Cochon, c'est juste pour montrer que c'est une zone plus ou moins d'église. Je crois que cet écho, je l'avais vu. Mince. J'ai dit oui, je voulais dire non. Secours. Les échos, on verra plus tard. bah si, il reste la zone du combat final. Thank you.
Alors, non, pas toi, toi. Waterloos, voilà. Et il est ici directement. L'arbre violet peut te guider vers un lieu secret. Si tu as aidé Olivier, le tavernier de Brutopia a sauvé sa cargaison en provenance de Yagendas, alors va voir le fantôme du vieux Lambert. Lorsque tu auras aidé le mage blanc et ses amis dans toutes les autres contrées, t'attendront ici dans la forêt putride. Ok, donc le... À part l'arbre violet qui je sais pas quoi, le reste je ne pouvais pas l'avoir parce que c'était des quêtes un peu filées. L'arbre violet, non. Ah zut. Je n'avais pas vu au retour. Alors on va d'abord voir... Le fantôme du vieux Lumber. Non! Non, oh, punaise. Wait. J'ai dit le... Oula, j'ai frôlé. Le fantôme du vieux Lumber. Si on trouve une... un arbre violet, on ne se gênerait pas. Pas là le fantôme. Oh zut. Il est forcément dans une des maisons, mais je ne sais plus laquelle. Je pensais que c'était là-haut. Alors. Genre là, c'est le nounours. Le nounours, il s'appelle pas Lumber. Peut-être lui. Non. Pas cette madame. Ici, ça doit être le, la télé, la radio, ouais. Marine. Spectre ne réagit pas. Oui. Si l'étage, j'avais pas vu. Lumber. Je vous souhaite la bienvenue dans ma taverne. Que puis-je vous servir? Comptez l'aspect de la taverne ou se souvenir des paroles de lui. Je voudrais une tournée pour Lumber. Une tournée pour moi? D'où tiens-tu ces paroles? Un tavernier du nom d'Olivier. Ce nom ne me dit rien, mais ceux que je connais m'ont sûrement déjà rejoint dans la mort. Je me nomme Lumber, cofondateur de l'entreprise Lumber & Jack. Que fais-tu dans ces terres maudites? Je suis à la recherche d'un vieux... J'ai peut-être une idée pour t'aider. Certains de mes cocktails possèdent des propriétés spéciales, notamment un qui permet d'entrevoir les possibilités de l'avenir. Ça a l'air super, je peux y goûter? Il va falloir le préparer. Pour cela, j'ai besoin de 5 souvenirs éthérés. Je les récolte autrefois dans les cimetières, mais ici, il y a des fantômes partout. Pour obtenir ce dont nous avons besoin, tu vas devoir les sortir de leur torpeur. Un mot qui évoque leur vie passée devrait suffire. Ah. Oui. Que voulez-vous lui dire? Au secours, j'en sais rien. J'ai bien écrit marin de la même manière. Lumber peut-être.
Ouais. Maria sur le quai, c'est joué Maria. R-I-A. Ils ont coulé ma belle Maria. Vous obtenez un souvenir éthéré. Elle est si proche. La belle et terrible mort. Ok, donc c'est bien ça. Toi c'est M. On connaît pas ton nom. Il y avait Ico comme nom, mais ça a l'air d'être plus court que ça. Et Yorda et Sir Ico, donc Ico est en couleur. Alors Osiris, Ico. Trouver les fantômes qui vont avec. Lui n'a l'air de n'appartenir à rien. Celle poulet. Maria, ça va être marqué Ico. Yorda. C'est Yorda et Ico, non? Ça m'a l'air d'être ça. Mon cher Ico, quand te reverrai-je? Vous obtenez un souvenir éthéré. Le vent porte mes oreilles sans requiem. Requiem. Genre Osiris pour la dame, ça marchait pas. Ça marcherait pas. Mort. Mort, ça peut marcher. Fenêtre, requiem, ça ne marche pas. Être fin. Où est le F? Là. Les dieux nous ont abandonnés. Là, il y a bien quelqu'un. C'est assez dur de les voir. Hein. Trop dur à mon goût. Dame. Osiris, ça me paraît bien. Je sais pas pourquoi. S. I. R, I, S, ça rentre, ça doit être ça. Mes bijoux, qui me les a pris? Vous obtenez un souvenir éthéré. Entendez-vous le sifflement de Sappho? Donc mort, faux, requiem, c'est ça pour elle? Parce que j'ai pas trouvé d'autres mots, j'ai pas... il est où le T? Oui, faux. Faux. Oh, s'il vous plaît, laissez-moi écrire, madame. L A F U. L. Hop.
Punaise, en plus, il y a masse de lettres. On va pas le faire. Hein. Donc, morpho... Il faut que je trouve un autre fantôme. Du principe qu'il n'est pas forcément dans la ville. Le général George nous a formé à défendre le royaume. George. Il y a eux ici. Il y a bel et bien un arbre violet là. Juste si je consulte l'inventaire, c'est fait partie des objets clés, les éclats d'espoir. Non, c'est pas les éclats d'espoir, c'est les souvenirs éthérés en bas à gauche. Oui. Qu'est-ce que ça fait? Oui. L'arbre réagit à votre présence. Il veut que vous le suiviez. Ok, si je peux trouver George entre temps, ça m'arrangerait, surtout qu'il va de à l'heure cet arbre. Oh. Vous découvrez un écho du passé. Malmaison, malmaison, malmaison. L'aube sera teintée du sang des fous qui osent nous résister. Laissez libre cours à votre bestialité. Raser leur maison, brûler leur récolte, massacrer-les tous. Femmes et enfants, cette méprisable engeance doit disparaître. Waterloo ne sera bientôt plus que cendre. Gloire à l'empereur! Que cela serve d'exemple à ceux qui refuseraient de plier devant moi. C'est bien, ça... Oh zut. Fait partie des choses que je cherchais sans forcément les chercher tout de suite. Alors moi je veux bien mourir avec l'arbre, mais pour ça faudrait que j'atteigne l'arbre. Ce serait un petit détail. Et Plopflo, comment vas-tu? Tu es encore en train de mourir. Eh oui. Eh oui. Et on essaye encore de trouver des nouvelles façons de mourir. Ici, il y a... Avec cet arbre, on se spoil un petit peu quand même. Parce que sinon, ça aurait été vraiment dur. En tout cas, pour le début, pour certaines. Oui, tu avances, l'arbre. La créature végétale semble vouloir que vous la suiviez dans les bois. Bah oui. C'est pour ça qu'on est là. Ok, oh, ouh. Ah ah. Il n'a pas bougé depuis longtemps. Je sais pas si je vais le voir lui ou là-haut d'abord, là peut-être. L'homme pendu me rappelle quelqu'un. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Dans une autre vie, peut-être. Il te ressemble un petit peu, non? Assassin! Qui a parlé? Vous avez brûlé mes enfants pour construire vos cracheurs de vapeur.
Moi, j'ai rien fait. Qui est ? Ah. Voilà. Très bien. ça, j'aurais pu l'avoir, effectivement, en cherchant mieux, mais... Mais cette zone me semblait bizarre. J'avais pas vu l'arbre. Je cherche toujours un fantôme, mais on va leur parler à eux. Les arbres ont l'air si tristes. Les pauvres, ils sont si mignons. Wakla refuse que j'aille piller des cadavres, soi-disant que je risque de m'attirer le courroux des fantômes. Je pense que nous avons trouvé l'une des portes dont parlait la sorcière de Yandas. Nous allons enfin pouvoir rentrer. C'est vrai, je suis long et intense. Mais comme d'habitude, mon talent et mon génie vont nous sortir de ce mauvais pas. Vous avez encore besoin de moi ? Non, pas cette fois. Mais reste et admire l'ouverture de ce portail. Surtout me faire buter comme d'hab. Hein. On commence à avoir l'habitude. Sésame, ouvre-toi ! Où suis-je? Il faut que je retrouve Oknik. Oknik et les autres. Ouais, si, bonjour. Ah, voilà. Voilà la nouvelle mort. Qui me manquait avec eux. Mais du coup, avec eux, il a fallu les attirer, les emmener, les... J'ai presque dire les travailler au corps pour qu'ils arrivent. Hop hop, là il est censé y en avoir deux. Vous savez où nous sommes? Les boules colorées sont si jolies. Je n'en sais rien, retrouvons tout le monde et cherchons une sortie. Ah, s'il faut pas qu'ils se fassent toucher par les boules, c'est mort. Ouais. Là. Ah, oh, il y en a un là-haut à gauche. La sortie est là. La porte à côté de moi doit être la sortie. Vous avez retrouvé les autres? Non, pas encore. Ah, du coup, ils restent avec moi. Très bien. Punaise. Enfin, j'ai failli attendre. Il doit bien y avoir une sortie à cette dimension. Il faut trouver un autre portail. Ah, j'ai failli attendre, t'as failli... Si tes potes ne te cherchaient pas... Enfin, ne voulaient pas de toi, on serait parti sans toi. Hop, hop. Voilà. La porte est scellée. Oui! C'est de nouveau à moi de jouer. Sésame, ouvre-toi. Ça ne ressemble toujours pas à chez nous. Effectivement. Chef No. J'ai cru voir quelque chose qui brillait dans cette statue et j'ai... Tu as essayé de l'attraper. Quel piège as-tu encore activé? Voilà, c'est pas une zone explorable. Donc là, normalement, il n'y a plus que l'histoire des... ouais, il n'y a plus que cette histoire de Lumber. Et pour ça, il faut que je trouve... Notre capitaine tire ses ordres directement du général George. Oui, George. Non! Je suis allé à deux à l'heure alors que j'ai été arrêté juste avant. Wait. Allez, on va y arriver, on va y arriver. Vous trouvez. Je suppose un soldat.
qui ne fait pas de patrouille. Elle, on l'a vu. Lui, il me semble que... on l'a bel et bien vu. Il n'y a personne. Elle, on attend de trouver la dernière personne pour aller la voir. Là, il n'y en a pas d'autres. C'est peut-être juste que je le vois pas parce que ils sont un peu trop transparents, ces fantômes. À mon goût. Donc lui, on l'a vu. Mort. Là, il n'y en a pas. Elle, on l'a vu, mais c'est pour après. Lui, on l'a vu. Elle, on l'a vu. C'est Requiem, hein, punaise. J'espère que je saurai l'écrire. Là, il n'y a rien. Là. Est-ce qu'on l'a vu, elle? Oui, elle, c'est faux. Elle voulait Osiris comme mot. Les dieux nous ont abandonnés. Oui. Toi. Captain. Ah, voilà. Le spectre ne réagit pas à votre présence. Que voulez-vous lui dire? Mon alphabet. R, G, S. Je crois que ça s'écrit comme ça. George. Le général George m'a ordonné de me battre jusqu'à la fin. Et je ne faillirai pas. Vous obtenez un souvenir éthéré. Nous finirons tous par porter son linceul. Ah, linceul, c'est vrai que c'était mieux que loisir. Donc, madame. Je veux te dire que tu es morte. Et pour ça, tu as bel et bien vu... la faux. Et tu vas finir dans un lin. Hop, seul. Et on entendra ou on... tu auras droit à ton Requiem. Il n'y a pas de I à Requiem. Requiem. Oh punaise. C'est pas le bon mot, c'est pas comme ça que ça s'écrit. Ah, c'est juste de l'orthographe. Ah, c'est un L et c'est... c'est pour ça. J'ai cru qu'il y avait I-L-E-M. J'ai bugué. J'étais plus sûr d'avoir vu le L que le I. Et donc il faut tout recommencer, c'est génial. Je peux l'écrire et je peux pas l'écrire au clavier, ce serait trop rapide. Avec du no loading, du laisse-moi attendre 20 minutes que je te donne la première lettre du mot que je veux.
Alors. Tout ça pour mourir juste après, quoi. Mais avoir une belle cinématique. Merci de m'avoir sorti des brumes. Vous obtenez un souvenir éthéré. Ah, elle a carrément disparu. Bonjour, je veux sortir, sale cochon. Et lui, il est resté là. Maintenant, il faut pas se prendre le trou ou les trous dans le sol, voilà. Donne-moi les souvenirs éthérés. J'y ajoute un alcool de ma conception. J'agite, je mets un second alcool. J'agite de nouveau, et voilà. Ça sent très fort. Cela signifie que les souvenirs étaient puissants. Bois ! Ah, je peux bouger. CJ, un homme dont l'existence se résume à un bain de sang. Que son nom soit tout lié, que son âme soit maudite, et que ses actes ne soient jamais reproduits. C'est un endroit bien étrange, tu as des drôles de visions. Le tribunal populaire de Brutopia vous condamne à la peine capitale pour l'ensemble des crimes commis. Sous vos ordres, par l'armée Deepstown. Par l'ensemble des crimes commis, oui. Je tiens à ce que ce jugement soit aussi évoqué. Je tiens qu'à ce jugement soit aussi évoqué ceux qui ne pourront jamais témoigner. Mes pensées vont aux habitants de Saint-Cendrier, qui n'est plus qu'un tas de ruines, et au peuple de Waterloo, dont le royaume est devenu un charnier. Ceci en leur nom que nous rendons cette ultime sentence. Moi, Nosur Givram, condamne à la peine capitale au nom du peuple de Yagendas et de tous ceux que vous avez fait souffrir. Vos actes sont impardonnables. Que justice soit rendue. L'orbe est si noir qu'il semble dévorer la lumière qui l'entoure. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai la tête qui tourne. Tu as l'habitude de boire? Pas vraiment. Je crois que je supporte mal l'alcool. C'est trop fort pour lui. Il a fait un comatique. Plus qu'à nettoyer le cadavre. Ben on essaie de voir l'avenir et voilà ce qui se passe. Bien. Il n'y a plus de mort dans cette zone. Donc on va retourner à la forêt fantastique. Oui, on va voir si on a tous les... Oh zut. C'est vraiment les trucs que je déteste le plus. Tu passes sous un arbre, tu meurs. Bah, fallait que tu saches que cet arbre-là était empoisonné. Oh non, pas ça. C'était pas lui où je voulais aller. Tu veux pas? Non, pas les bois perdus. J'ai pas envie en fait. Je dois faire attention.
Ce n'est pas un lapin normal. Non, il a l'air sournois, cruel et irascible. Et en plus, il fait des bons. Fuyons. Non, mais... Si je peux pas me bouffer ce champignon, j'aurais bien voulu avoir ces cinématiques. Il passerait bien dans sauce. Tac. À droite. Non, mais j'en peux plus de cette zone. Voici ceci ici. Et les loups. Alors. On doit. Oh non, le même art. Je voulais aller plutôt dans cette grotte là. Voilà, ici. Le deuxième souvenir est perdu dans les poils amiratiques. Oh putain. Ces lieux attirent les souvenirs, les échos y résonnent. Trouve-les tous à travers le monde et peut-être découvriras-tu les images passées piégées dans les profondeurs de cette grotte. Oh non, bah non, c'est bel et bien dans les bois qu'il va falloir que je trouve. J'ai vraiment pas envie des bois. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de visiter les bois, mais bon. On va essayer. Donc c'est quoi? C'est aller vers le haut, puis vers le bas, puis à droite, c'est ça? Ouais, haut, bas, droite. Et après on continue sur la droite. Ça n'avait pas l'air d'être ça. Alors, haut. Bas. Et on veut aller à droite. Oui, et là, si on va en bas. Non, je crois que c'est un truc genre, faut revenir. Ok, donc, on va en haut. On va en bas. Et ça aurait été bien d'avoir un petit indice visuel quand on est totalement perdu. Au bas droite. Je fais bas. Puis haut. Je suis pas plus gauche. Non. Gauche. Droite. Bas, un truc du genre. Oh, bas. Et droite, hein. On va recommencer. Si ça se trouve, c'est plus en rapport avec le... En fonction du terrain. Je vais un peu vite, mais il faudrait que je vérifie si je ne tombe pas sur un écho du passé. C'est tout ce qui m'intéresse avec ces trucs-là. J'aurais sûrement dû noter quand je l'avais fait. Après, la vidéo l'a noté pour moi, mais
retrouver. Ah, c'était là. Oh, je vois l'écho. Je vois l'écho. Vous découvrez un écho du passé. Pourquoi nous avez-vous emmené ici? C'est dans ces bois que se trouve la porte et vous en serez ses gardiens. Quand ferait ça? Car s'il revenait, vous ne survivrez pas longtemps. Donc pas le choix. Comme c'est amusant. Ça nous rappelle quand il était là. Je vous offre une forêt entière comme terrain de jeu. Ne vous plaignez pas trop. Ma magie l'a transformé en véritable labyrinthe. Votre mission est de chasser tout un truc qui y pénétrerait. Bien résu. Reçu. Je dois vous laisser. Elle est partie si vite. Il lui a infligé de très lourdes blessures. Elle en a plus pour longtemps. Oh, c'est parfait pour nous. Elle ne pourra pas nous surveiller. Je vais en profiter pour modifier son sortilège. Personne ne pourra s'échapper de ses bois. Effectivement, on ne peut pas s'échapper de ce bois. Voilà, School Kid. Slupoto, ça va, je suis School Kid. Beaucoup sont entrés dans ces bois. Une poignée est arrivée jusqu'ici. Félicitations à toi. Tu viens d'accéder à la seconde épreuve. Une fois celle-ci passée, tu obtiendras le trésor des bois paumés. Es-tu prêt? Non. Hein? Mais non! C'est pas gentil! Tu dois réussir mon épreuve avant de parler à l'arbre Jojo. De toute façon, hein, comme il l'a dit, on ne peut pas s'échapper. Très bien, réponds alors à ces trois questions et tu seras libre de passer. Si je multiplie 6 par 4, que j'y additionne 12 et que je divise le tout par 9, qu'est-ce que j'obtiens? Un délicieux gigot d'agneau. Ah, vous, tu te fiches de moi. Retour casse départ. Ah, zut. Ah. Ok. Je voulais me ficher de sa tronche. Il n'a pas calculé. Mais apparemment, il a géré le coup. Là. Non, ici. Il n'y a plus de mort dans la zone. Il me semble qu'il n'y avait plus de mort dans la zone de... Ah, zut. Est-ce qu'on avait vérifié qu'il n'y avait plus de mort? À Waterloo. On va vérifier rapidement. Oui, il n'y a plus de mort. Et on va à la chasse aux échos du passé. Hop. En plus, c'est sur le chemin, quoi. C'est une branche qui me tombe sur la tronche. Sur le chemin. Voilà. Alors ici ça ne dit plus rien. Et ici ça s'ouvre. Du coup, on va peut-être se revoir ces 5 échos du passé. Il me semble qu'il n'y en a que 5 du coup, c'est déjà pas mal. Et
voilà. Hop. Alors si on réécoute les bois paumés, oui d'accord, c'est bien ça. C'est celui que je viens de faire, donc on va éviter de le relire. Celui du milieu en dernier. On va le faire dans l'ordre, comme ça, allez. Cet écho raconte le crash de plusieurs aéronefs lors de la Grande Guerre. Voulez-vous le réécouter ? Oui. Que se passe-t-il ici ? Pourquoi le vaisseau se coûte autant ? Nous avons déjà traversé des tempêtes bien pires. Madame ? Nous avons un problème. Nos instruments dysfonctionnent. Contactez les autres aéronefs au lieu de vous tourner les pouces. Sinon, je vous les fais arracher. Madame Uria ? Quoi ? Toute la flotte est touchée par la même avarie. Nos engins semblent avoir un défaut de fabrication. Alerte ! Alerte ! Dangereuse perte d'altitude ! Comment est-ce possible ? La générale Zephyra a fait remplacer l'entièreté de notre escadron par cette dernière génération. Maudit soit-elle ! Redressez le cap ! Impossible ! C'est la dernière ligne droite. On ne peut plus reculer. Au lieu de déclamer des évidences, bougez-vous le cul! Pardon, Zef, on arrive. Ma maison est grandement affaiblie. La porte ouest des pitons n'a donc pas été correctement protégée. Elle se trouve à l'opposé de notre position et lui semble sûr. C'est là que nous devons frapper. Et on fait ça comment? Auguste, t'as des pouvoirs pétés, oui ou non? Oui, mais il n'y a pas de mec, tienne. Apprenez à vous en servir. Nous allons gagner, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Tu en as d'autres, des phrases de réconfort aussi nulles? Désolé, je suis fatigué. Nous avons tous les nerfs vifs, il va payer pour tout ce qu'il a fait. Merci, Nikolai. Sort de téléportation sera prêt dans combien de temps? J'ai jamais rien fait d'une telle envergure, pas la moindre idée du temps que ça va me prendre. Aussi vite que possible, nous n'avons que peu de temps avant que le tyran ne se ressaisisse. Je vais motiver les troupes pendant que vous achevez les préparatifs. Troisième partie des souvenirs des dragons. Brigitte, ça va ? Juste une aile trouée. Tu crois que je vais comment? Arrête un peu de te plaindre. Je savais bien que c'était une mauvaise idée d'aller à la fête de l'équinoxe. Quoi? C'est toi qui as insisté. Peut-être, je ne sais plus. Quoi qu'il en soit, personne ne pouvait prévoir qu'à travers péterait les plombs. J'espère qu'à raison et à tort se s'en sont sortis. Cendrier et Lilith étaient avec elle. Ils les auront pour protéger. Prions pour leur victoire. Que la lumière les protège. Et le dernier, à l'enfermement de Smeg. Vous ne pouvez rien face à ma colère! Oh, il y a Guy là derrière, caché. Derrière le magicien Nikolai, je suppose. Maître, qu'allons-nous faire? Je ne vais pas avoir le choix. Que la terre t'engloutisse, que les éléments t'enchaînent, que ma vie te scelle. Ah bah oui. Non! Il manque Guy, Non? Non, rien. Maître. Voilà. Et donc, nous avons ici... Oh. Oh. Le quatrième souvenir est enfermé à Bourrinopolis. Ah. C'est bien ce qui me semblait qu'il y avait plus que... Que quatre fragments. Oh là là.
bien, ben... Il va falloir trouver ces choses-là. Et on fera ça lors du prochain épisode, ou peut-être celui d'après. Peut-être que la prochaine fois, on va se mettre sur le Saint-Cendrier. La visite du Saint-Cendrier, quand même. Voilà, tout simplement. J'espère que cet épisode vous aura fait plaisir à regarder, à suivre. Et je vous dis à très bientôt.